Salut les Valjean! Ici Cutter Slade Valmar pour vous servir. Ouais, alors résumé des derniers épisodes, ben ça va, hein, on a un petit peu discuté, tout ça, on a appris des choses, hein. Mais là en fait, là j'ai pas de temps à perdre, en plus je viens de manger, enfin voilà quoi, Je suis un peu, disons, un petit peu. Oula, les soldats. Alors oui, chose importante, j'ai réussi à pouvoir avoir en fait beaucoup d'argent, mais ça en fait c'est un cheat code que je enlèverai aussitôt que j'aurai tué quelques ennemis, récupérer un peu d'argent. Enfin, dès que j'aurai terminé cette vidéo, voilà, vous avez compris. Et j'ai mis celui qui me permettra de survivre à toutes les attaques qui me lanceront. Source d'énergie faible détectée. Alors par contre, ça veut pas dire que je pourrais survivre à la noyade, aux morsures du gros monstre qui me fait super la trouille. Enfin voilà quoi, je peux quand même mourir. Hein. C'est juste les attaques des ennemis, elles me font plus de dégâts. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors je suis allé parler à Zelinas. Parce que normalement, il y a un Talan qui vous dit « Luca, viens, je veux te parler. » Et donc tu lui demandes « Info, que veux-tu » Et on lui demande « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as demandé ?» Et il te dit « Zelinas te cherche. » Il est très énervé, on sait pas pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe, Zelinas? Y a un problème? Oui, Luca, les yachts soient loués, tu es venu m'aider. Mes amis Tuona sont en danger. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? 5 méchants gamors sont sur leur territoire à l'est du village. Tu dois aller les sauver. Je te récompenserai, bien sûr. Résumons. Tu veux que je sauve tes amis en tuant d'autres animaux? Oui, c'est ça. Vas-y vite. Et j'ai trouvé le bouton en fait pour passer plus vite, donc j'attendrai qu'il ait fini de parler, puis ensuite je cliquerai sur la touche. Et donc, première chose à faire. Avant d'aller rendre visite à ces créatures de l'enfer. Volume son, voilà. C'est bien qu'il avait baissé. Ensuite, balance. Voilà. Garde. C'est parti. Il y a combien de munitions? 300. Aïe aïe aïe, ça va être dur. Ça va être dur. Les gamors, vous allez voir, c'est des créatures pas trop sympas. Vous avez eu un exemple de gamor, par exemple, dans la maison de Zokrim, enfin dans sa cabane. On voyait une tapisserie avec une créature en dessin. Et c'était un gamor. Voilà. Et là, en fait, je vais essayer de régler tout ce qui peut se faire dans le Shamazar. Sauf le mon, parce qu'en fait, les mon, je vais les faire en dernier. Donc ça fait qu'on va faire toutes les régions sauf les modes. Comme ça, l'histoire vraiment principale. L'histoire vraiment principale, donc notre objectif de jeu, retrouver les modes. Ça sera fait en dernier. On va d'abord faire la révolution des Talans et tout ça. Enfin, on va faire la révolution des Talans, on va aider les Talans, trouver les ressources, tout ça. D'ailleurs, quand on aura terminé de faire tout ce qu'il y a dans la région sauf le mode. Ce que je ferai, c'est que je visiterai toute la map pour essayer de retrouver chaque truc, chaque bâton, chaque ressource, chaque truc. Voilà, je chercherai partout. Parce que pour obtenir le 100%, il faut aussi... Il faut aussi trouver toutes les ressources. Et là, voilà. Les gamors sont des espèces de tigres loups. Bien, j'ai... Salpé. Non, dégage. Et de 1. De 2. De 3. Allez, il en manque plus que 2. Et deux derniers. Oh, je les ai vus. Approchez mes cocos. En fait, ils sont en point jaune et en fait mes munitions vont disparaître dans le vide. Si j'arrive à disparaître assez loin, parce qu'en fait d'autres points sont en fait les toines. Ah, et je veux pas leur tirer dessus, sinon Zelinas va me faire un petit peu la gueule. Approchez-vous, créature de l'enfer! Ici, sale bête! Ici, au pied! Putain.
crois pas que je t'ai pas vu. Alors tirant au moins une fois dessus, il s'éloigne. Et après, ça les arrive pas pour autant. Et de 4, le dernier, ça doit être le chef de meute. Et ici, ça le baisse. Ah, les autres points jaunes, non. Surtout pas tirer sur les toits de... Ah. Ici, sale bête. Derrière toi. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Approche. Je t'attends. Et voilà. J'ai sauvé l'étoile A. Je vous ai sauvé, les amis, les animaux ridicules et stupides. Oui, parce que vous demandez aux autres Talan, ils vous disent que les étoiles A sont des créatures complètement stupides pour eux. Hein. C'est... Il y a juste Zalinas qui est un amoureux des animaux. Sauf pour les créatures dangereuses telles que les gamores, sans doute les araignées. Enfin, les créatures inoffensives, ils les aiment. Les créatures qui sont pas inoffensives, ils les aiment pas, voilà. Je m'occuperai des araignées la prochaine fois parce qu'elles sont pas dangereuses et vous attaquent même pas, voilà quoi. C'est à nettoyer à la fin, quoi. C'est... Pour ceux qui aiment pas les arachnoïdes, ben, je suis désolé, hein, mais... Il va y en avoir beaucoup et ils sont partout, les... ces bestioles-là. On va faire un petit tour là-bas parce que comme il y a des soldats, on va les déloger. Et pas avec l'arme. Parce que j'ai pas assez de munitions. Pour le moment, je veux récupérer le plus de munitions possible. Allez, hop. Et en plus, ils ont de la TNT. Et si elle explose, je vous dis pas à quel point ça va nous faire mal. Toi ! Approche ! N'évite pas le combat, y'a fond de toi ! Voilà, le danger est... Prends ça, et ça. Alors c'est les plus faibles, hein, c'est les recrues quoi, c'est les mecs que tu tapes trois coups dessus et puis c'est bon, c'est mort. Ah là là. D'ailleurs, comme je vous ai dit, on va faire toute la région. Par contre, je vais tout faire pour éviter le combat quand il y a des civils. Je vais tout faire pour éloigner les soldats. Parce que, en fait, si on les touche, alors si c'est nous, c'est compté comme une mauvaise action. S'ils sont touchés par les soldats, je sais pas si c'est compté, en fait, comme une mauvaise action pour nous. Peut-être que c'est compté pour les soldats que, enfin, qui savent que c'était un tir qui venait pas de nous, mais je sais pas. Je peux pas prendre la route. Zalinas, ici, au pied, j'ai... Oui, enfin, au pied, je sais, c'est pas un animal. Mais bon, voilà, tu m'as compris. Zalinas. Non, pas vers les champs, pas vers les champs. Non, il y a des soldats, il y a des civils, reviens, reviens. Gamor, tu es. Approche un peu, tu veux? Ouais, approche. Voilà, je t'ai débarrassé des Gamor. J'espère que tu n'as tué aucun de mes amis. J'ai fait tout mon possible. Parfait. Et maintenant, ta récompense. Merci. Voilà. C'est une petite mission comme ça. Et il faut accepter toutes les missions. Hein, si vous voulez obtenir le 100%, chose que je vais faire, parce qu'il y a quelque chose de sympa à la fin si vous réussissez le jeu à 100%, c'est-à-dire vous trouvez non seulement tous les objectifs, mais en plus tous les objets à récolter. Ouais, ça va être long, je sais. Mais vous inquiétez pas, tout ce qui est... Comme je vous l'ai dit, en fait, ce que je vais faire, c'est que quand on aura terminé une région, c'est-à-dire quand on aura terminé tout sauf le mode, je vais, hors vidéo, chercher tous les objets qu'on n'a pas trouvés. Je vais tout chercher partout, tous les endroits accessibles et tout ça. Je vais regarder partout, je vais vraiment, voilà, ça, ce qui fera qu'à certains moments, je ne pourrai plus faire de vidéo de podcast pendant plusieurs jours, hein, parce que
Elles sont quand même grandes les régions, c'est pas comme le Ranzar hein. La plus grande région c'est bien sûr le Talanzar avec la capitale qui est... Et moi ça me fait toujours peur. Moi en fait ce que je me demande c'est si jamais les deux lunes venaient frapper sur la planète là, parce qu'elles sont quand même assez proches. Vous allez pas me dire le contraire. Désolé les bestioles. Là ce qu'on va faire là c'est beaucoup de combats en fait, parce que je vais déloger les soldats qui se trouvent dans les zones faciles d'abord. Voilà donc alors il y a un seul endroit où j'aurais un peu de difficulté à me la jouer discrète du fait que quelle ville. T'inquiète pas, je me fonce dessus. Youhou. Oh, de l'argent. Par contre, là où je risque d'utiliser mon pistolet, c'est devant les enfants. Aïe, hop. Mais non, pas moi. Ton pote, si tu veux, mais pas moi. Moi, j'ai rien fait. Ça va, je vais à la va-vite, donc ça va, pour trouver les ressources, là, c'est des trucs simples qu'on voit du premier œil. Mais sinon, il va falloir que je descende, que je cherche de partout, vous allez voir, c'est... Enfin, vous allez pas voir, mais ça va être très long, quoi. Là, il y a Oka qui fait un certain bruit. Énergie organique stable détectée. Et toi, ah, je vous conseille de pas rester là. Il m'a pas vu. Ça va, il a pas donné l'air. J'ai combien de munitions? Attendez, je peux peut-être lui dire un. Ah non, ils ont de la dynamite, surtout pas. La dynamite en fait nous sera utile plus tard dans cette région et je vais en récupérer le plus que possible. Dayo! Ne tirez pas! Je vais sur votre pote! Il sentira moins la douleur. Voilà, tirez sur votre pote. Et vise! Voilà. Mais non, à côté! Quel combat passionnant! Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça! Voilà, quitte à économiser des munitions pour les... tout ce qui est entrepôt, camp militaire, temple de fée, palais, tout ça. Ah ah ah! Oh non, il y a plus dur. Ah là, par contre, flingue. Pour le gros, c'est flingue. Métal détecté. Attention, source d'énergie faible détecté. Ah! Il est mourant. Ah non, il est mort. C'est bon, je peux ranger mon arme. Allez, l'assaut! Ah ah! Eh oh! Oh oh! Hé hé! Toi là! Je t'ai vu! T'as essayé de fuir le combat! Alors n'oubliez pas, les petits bâtons, c'est en fait ces trucs-là, ça nous donne des trucs. Et regardez, voilà, vous pouvez passer dessus. Je sais que dans l'ancienne version, en fait, il fallait se mettre à terre pour les choper. Enfin, si je me souviens bien. Je vérifie que j'ai pas laissé d'argent. Voilà, hein, j'ai failli oublier de l'argent. Hein. C'est très important, l'argent. Je sais pas à combien j'en suis, mais je devrais être...
quand même à beaucoup là. C'est vrai que le cheat code je l'enlèverai aussitôt que j'aurai terminé cette vidéo. Enfin c'est pas un cheat code, c'est en fait je suis allé dans le jeu, enfin dans les paramètres du jeu pour changer la valeur de l'argent. Que je peux gagner par sac en fait. Ça explique le pourquoi du comment. Alors je pourrais aller là-bas, mais on va aller d'abord ici. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a une mission secondaire à faire ici qui doit être faite par n'importe quand, mais je préfère la faire maintenant en fait. Toi je t'ai vu, enfin, je vous ai vu les araignées. Et elle, on peut les buter qu'au feu. Pour tous les arachnophobes, crevez, bande de créatures dégueulasses. Et d'une. De deux. La troisième, je t'ai vu, crois pas. Et voilà. Voilà, alors ces trucs là, c'est des ressources hein, de craft. Vous vouliez de la baston, et ben cet épisode spécial baston là. Alors les poissons ils font mal, mais pas trop. Enfin quand ils sont pas trop nombreux, ils font pas mal. Par contre quand ils sont plus nombreux. Je crois qu'il m'a vu. De toute façon, le combat est inévitable. Oh non, tu vas pas appeler tes potes. Gros flingue. Oula, lui surtout qu'il a une arme super dangereuse. Dégagé. Question de survie. Bon, au moins il fait mal à ses potes. Reviens ici. Voilà, tirez sur votre chef. Vous savez quoi? Tout le monde en flingue. J'avais dit que je l'ai conservé justement pour les entrepôts, c'est pas super dit. Vous allez tous mourir. Arrêtez de bouger, ouais. Et le dernier, il va à la main. Yeah. Et que je ne reprenne plus. Alors, hein, vous êtes à l'agonie, hein? Hein, c'est ça, meurt. Si j'avais pas utilisé le cheat, là, je serais déjà mort depuis longtemps. Hein. Ouais, leurs armes font hyper mal, hein, du fait qu'on les a pas... qu'on n'a pas arrêté la production d'armes. C'est méga puissant, et on n'est même pas censé faire la mission maintenant. Enfin, voilà, quoi, moi, je la fais maintenant. Hein. C'est dans mes droits.
Et là, mission secondaire, en fait, vous allez voir. Je vais prendre mon flingue. Et normalement, si je me souviens bien... Si on tire... Attendez. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Normalement, je crois qu'on peut le péter comme ça. Voilà. En fait, l'une des missions secondaires, c'est de péter des bateaux. Vous pouvez aussi utiliser de la dynamite ou alors une arme qui fait de grosses explosions. Hein, voilà, vous avez compris le concept. Hein. Vous allez voir, ça sera... C'est une autre petite tête secondaire. Comme pour les bâtons, ils sont partout. Hein, voilà. Et en fait, en détruisant les bateaux, vous évitez les renforts de venir. Donc en fait, les patrouilles, quand vous allez revenir, elles vont mettre beaucoup plus de temps à... Enfin, ils vont mettre plus de temps à refaire des patrouilles. Inventaire... Une clé. Utilisons la clé. Sésame, regardez-moi toutes ces munitions. C'est magnifique. Je veux sortir. Merci beaucoup. Oui, je sais. Hein, beaucoup, ils sont en train de dire, ouais, mais tu triches tout seul, hein, c'est pas top. Bah, écoutez, les gars, si vous voulez un... voir des jeux sans que je triche, bah soit je peux pas tricher parce que voilà, ils ont pas de cheat code officiel ou ce genre de choses, ou alors on peut pas en faire, mais enfin ce que je veux dire, c'est que moi, grâce au cheat code, ça me permet de faire le jeu et de le terminer. Le but, hein, c'est pas de... C'est... Moi, mon but, c'est de vous montrer le jeu, la fin du jeu. C'est parce que j'ai connu la frustration de gens qui n'ont jamais pu voir la fin parce que le mec abandonné de par fainéantisme, ou alors parce que justement, il en pouvait plus. Tiens, d'ailleurs, du fait qu'on est là, range ton arme d'abord, t'en as plus besoin pour le moment. Le temple de fées, on n'y va pas, hein, vous avez compris, trop dangereux pour le moment. Alors, regardez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une épave avec de la dynamite. Bon, je sais plus comment on fait pour plonger. Enfin, non, pas plonger comme ça, mais je veux dire plonger dans l'eau. Ouais, justement, eux, ils sont élevés. Ça veut dire leurs armes, méga puissantes. Et ils sont hyper résistants. Donc, voilà. Mieux vaut y aller quand on sera sûr qu'il n'y aura plus de vie. Vous allez voir, elle va avoir une grande utilité dans ce jeu. Dans cette région. Matériel inconnu. Coquillage. Alors le bruit que font les poissons, ça veut dire jlung là, c'est en fait ils nagent plus vite quoi. Ils essaient de nager plus vite. Voilà un épisode spécial baston. Vous allez voir, il y en aura d'autres, mais voilà quoi. Ce que je vais faire moi habituellement, c'est... Évitez de tirer dans le tas, essayez de faire d'abord la révolution, puis ensuite de tuer tous les soldats, parce que comme ça, je suis sûr de blesser aucun civil. Voilà, voilà. Alors, si je me souviens bien, ici aussi, il y a des soldats. Le problème, c'est qu'il y a des civils. Donc, comment faire? Alors, je sais qu'il y a ceux qui sont là-bas. Je sais aussi qu'il y a eux là-bas, donc on va faire cela. Parce que là-bas, il n'y a pas de civils, donc... Enfin, ils pourront me tirer dessus autant qu'ils voudront. Mais je n'utiliserai pas mon flingue quand même parce que c'est trop risqué. Je risque de toucher un civil et je veux surtout... Je termine ce jeu à 100% en étant 100% gentil parce que... C'est comme ça, les... à la fin on nous aidera. Oui, parce que le but de tout ça, c'est bien sûr d'être aidé à la fin. Enfin, pas que aussi, ça permet pour ceux qui ont une conscience de faire le bien. Et voilà quoi, c'est ce que je veux dire. Alors ils arrivent. Ils m'ont pas vu. Donc ils confirment pas, patrouille habituelle, voilà, il se passe rien de pas de temps. Et là tout à coup, Lucas y apparaît dans leur dos. Et ça y est, c'est le combat. Ah zut. Mince, non pas comme ça, comme ça. Toi là, tirez sur votre pote là. Tirez sur le grand patron. Voilà, c'est bien les gars. Tirez. C'est bien, c'est très bien, continuez comme ça, continuez. Voilà. Maintenant, arrêtez de tirer sur moi. Laissez-moi vous bastonner à bord.
1, 2, 2. Aïe. Oh, 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 hey. Hey, les araignées. Attendez, je prends un peu plus de hauteur, voilà. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien un truc derrière hein, qui bouge, hein. C'est pas votre imagination. Bon, deux une. La troisième pourrait arrêter de bouger s'il vous plaît. Voilà. Et en fait, vous vous dites, oh là là, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc à l'arrière qui a l'air de bouger comme pas possible? Sommes-nous en danger? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça fait un bruit pas possible. Alors on se dit, oh mon dieu, il y a une créature dangereuse. Il y a une créature. Eh ben non, c'est pas une créature dangereuse, vous allez voir. S'il te plaît, refais un tour. Vous allez voir la soi-disant créature dangereuse. Hein. Ouais, enfin soi-disant, faut pas plaisanter avec les vraies versions parce que voilà. Regardez ce que c'est. C'est un truc de bois avec un mécanisme qui monte et qui descend et qui fait du bruit. Le but est simple. TNT. Tu veux faire du bruit? Eh ben on va t'en faire. Adieu le soi-disant monstre. Oui, parce qu'il n'y a pas de monstre, hein. Vous avez compris, hein. C'était un truc de bois, là. Excusez-moi, mais même moi, j'avais compris ça. Enfin non, à l'époque, j'étais effrayé. À tel point qu'en fait, j'utilisais l'arme à distance. L'arme à distance pour le faire péter. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Le fantôme est toujours là, lui, par contre. Hein. Bon, je peux pas récupérer les trucs qui sont dans l'eau. Pas grave. Allons nous occuper alors des soldats qui se trouvent là-bas. Mais bien sûr, c'est une région où il y a des civils, donc... Justement, voici le chef. Lui, par contre, je le fais au flingue. Oh, si tu crois que tu vas appeler tes potes... Tant qu'on n'entend pas la corde d'alerte, c'est que tout va bien. Enfin, ils sont pas trop nombreux à savoir que je suis là en fait. Ridicule. Oh merde, la corde, ça y est, ils sont tous alertés. Je vais tous les avoir sur le dos. Coco ! J'ai dit coco ! Surprise ! Par contre, ça va être plus dur, ils vont être plus nombreux là. Oui, je sais, c'est un entrepôt. Normalement, j'ai dit que j'utilisais les armes pour les entrepôts, mais pas maintenant. Il y a des civils dans le coin, alors faut éviter. Hop, hop. Alors ça va être eux surtout qui va être compliqué de les approcher. Alors eux, je suis juste deux. Hop là, et voilà, c'est bon, ils s'en bat. Je sais avec quel point ils sont faits. Regarde, je te pousse. Je te donne un coup. Oh là là, ça c'est un coup pas terrible. Je vais dire qu'il y a un troisième en cours. Et que le temple de paix, ils sont plus nombreux.
Ouais, j'avoue, je suis en maintenant, je suis mort. Tiens, prends ça. Mais il en reste encore combien? Donnez. Ah, je les touche tous les deux en plus. Attention, je suis dangereux. Je suis Cutter Sledge, vos boules plasma ne me font rien du tout, grâce à un cheat code. Oui, je triche, mais je m'en fiche, vous trichez vous aussi, hein, avec des armes surcheatées, hein, s'il vous plaît, alors, hein. Vous gâchez mon plaisir personnel. Alors on va aller dans l'eau, parce qu'il y a des trucs à récolter. Bon, il y a les poissons, ouais, mais ils sont pas dangereux, hein. Ça va, quoi, à la limite, il mordit le petit orteil, ça va. Regardez, hein, ils sont plutôt lents, les bestiaux. Normalement, on est censé utiliser la TNT pour les faire péter. Voilà, intérêt zéro. Monte. Voilà. Si je suis allé dans l'eau, vous comprendrez plus tard, ça nous aidera pour la révolution. Et pour les dernières minutes, enfin les... ça fait longtemps qu'on avait passé les dernières minutes, mais on va faire, on va ouvrir l'entrepôt. Attendez, je récolte au moins ça. Je les vois, hein, donc je les prends. Et il y a une autre patrouille au fond. De l'argent. Argent. Très utile, l'argent. On verra combien d'argent ça m'aura rapporté tout ça. Je pose beaucoup, hein. En fait, ce cheat code, il faut l'utiliser qu'une seule fois, hein, et au moins vous ayez pris un coffre, au moins, et un petit sac d'argent. Parce que sinon, en fait, vous avez beaucoup trop d'argent et ça peut faire bugger le jeu. Alors aussi, vous avez remarqué qu'il y a des objets là étranges que je ramasse dans certains pots. Ça aura aussi une importance plus tard, mais ça c'est pour le mode en fait. Ça va faire partie de l'énigme pour avoir le mode de cette région. Voilà. Et voilà. J'ai plus qu'à ranger. Ah, je me sens libre, pas vous? Alors, combien j'ai d'argent? Oulalalala, regardez tous les orkins, c'est écrit tout en bas là. Oulalalala, oula. C'est même plus de l'argent là que j'ai. C'est carrément, je suis devenu... Enfin voilà, ça nous aidera pour acheter des trucs, vous allez voir. Et beaucoup de talents vont nous demander de l'argent pour les aider. Voilà quoi, hein, on a vraiment besoin de beaucoup d'argent. Magie du cristal de Sims. Oui, excusez-moi, mais le losange là, il fait me penser aussi. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Game Save, c'est Game Save, mais sans les E en fait. Alors là, vous voyez, j'ai fait une partie qui s'appelle Tranquille, hein, ça veut dire c'est moi qui joue tout seul dans mon coin, ça va, je suis... voilà. Et Valmar, alors Valmar, regardez-moi ça. Il manque un A. Ça m'a... Oh, j'ai ragé quand j'ai vu ça. Oh là là, j'étais en colère. Bref, sur ce, les Valjeans, portez-vous bien. Ah non, attendez. Prenez soin de vous, portez-vous bien, mangez des cookies, vous connaissez la suite, ciao ciao. Vraiment, je ne sais plus quelle était ma phrase à la base.